quand vous allez prendre vos aides, hop, vous les mettez sur la photo aux quatre coins et ça correspond au Z4. Ça, c'est la vue du carré à Z4. Ça, c'est pas prélevable. Parce que là, c'est juste une mini tâche. Si on met ça dans un sachet, ça sert absolument à rien. Donc, ça veut dire que là, vous avez juste à écrire NP, non prélevé, à côté des punaises, un petit Z et zou. Pareil pour ce truc charbonneux là. Ça, pareil, ça, on ne prélève pas non plus. Les seuls que vous avez prélevés, en fait, vous, ça va être 1, 2, 3, c'est ça. C'est vos trois silex. Après, vous allez choper des petits sachets sur lesquels vous écrivez avec des bics. Autant sur les feuilles de fouille, on écrit que crin papier, tout le temps. C'est que du crin papier. Sur les sachets, c'est que du bic. En fait, alors ça a plusieurs usages. D'abord, ça, on peut toujours corriger, du coup, on peut gommer. Et secondo, et on essaie d'y penser, le graphite qui est utilisé là, c'est une matière très stable. Donc à ça, a priori, ça crée des archives qui sont encore, qui vont pas s'altérer. Alors qu'il y a certains types de stylos, choses comme ça, où tu as des encres qui ont tendance à disparaître, mine de rien. De même que là, pour ça, vous écrivez de bic, et j'essaie d'acheter des vrais bics, parce qu'une année, par exemple, j'avais acheté des faux bics, sans faire trop attention, hein, pour entrer dans le supermarché, tu achètes des bics. Deux ans plus tard, l'encre était effacée, touc, sur tous les sachets. On a repris le matériel de l'année, c'était effacé. Alors heureusement, comme c'était sur des bandes blanches, on pouvait voir par transparence, donc on a réécrit tous les sachets. Mais on fait gaffe aux matériaux qu'on utilise, quoi. Notre problème, c'est les photos elles-mêmes, parce que les photos, l'encre, on n'est pas certain sûr que dans 100 ans, ces photos seront encore conservées. Ça, c'est pas certain. Et c'est pas numérisé ? C'est ce qu'on numérise. Voilà. Donc on les numérise pour garder la trace numérique. Avec, comme tu le sais, le problème aussi de savoir les archives numériques, comment seront-elles conservées ? Enfin, tu vois, c'est... Donc ça, c'est d'ailleurs un problème d'archives de l'archéologie, hein, c'est que pour l'instant, il n'y a pas encore d'archivage systématique des archives de fouilles, où chacun garde ses archives. Il n'y a pas de politique vraiment nationale, tu vois, de conserver sous forme de support PDF, etc. On conseille, mais en fait, de fait, c'est un peu anarchique quand même. Donc, il est certain qu'il faut numériser, mais je me méfie du numérique. Je pense qu'on a intérêt à garder des archives papier qui soient quand même exploitables dans ce temps, quoi. Moi, je crois volontiers, peut-être je me trompe, hein, mais je crois volontiers que dans 500 ans, tu as des gens qui iront consulter ces archives. Hein. Tu vois, il y aura bien des mecs dans 500 ans qui s'intéresseront aux politiques supérieures. Ils diront, tiens, qu'est-ce qu'ils ont fait à Régis Mont, voilà. Et qui viendront exploiter ces archives. Donc, nous, le but, c'est d'arriver à faire des archives qui soient intelligibles. Donc, tout ce qu'on met là-dessus, c'est hyper normé, c'est hyper typé. C'est-à-dire que normalement, quelqu'un, même dans 50 ans ou dans 500 ans, il voit ça, paf, il sait exactement ce qu'on a voulu faire, quoi. Normalement. Et on voit bien, hein, quand c'est mouillé. Alors, feuille de fouille de ces carrés. Alors, on va commencer par le 271, parce que c'est... On a commencé à voir apparaître le foyer par là, quelques objets. Voilà, c'est en 2010 qu'on est un peu plus rentré dedans. Donc là, on a commencé à circonscrire petit à petit l'emprise des traces. Et puis à un moment donné, en 2019, on décide de commencer à rentrer un peu dans le foyer. On coupe le carré en deux. Ça, du coup, on n'y touche plus à ce moment-là. Oui. Et on commence à descendre par là pour voir à quoi il ressemble, quoi. Là, par contre, c'est vraiment les traces de terre brûlée. Et le rouge qui est là, notamment ce qui était par ici, c'est vraiment là, c'est de la terre rubéfiée, quoi. Ce qui est pas évident ici, c'est d'arriver à distinguer la rubéfaction du sédiment qui est rouge, par définition, et les traces d'eau qui sont rouges aussi. Vous ne mouillez que la zone foyer. Comme ça, vous pouvez venir jusqu'ici. Je suis sur le jaune, je n'écrase rien. C'est ça. Après le pont, vous contournez la maison par la droite. Et là, vous prenez le chemin principal. Vous voyez des traces de roues, de voitures d'ailleurs, qui sont dessus. Tant que vous n'avez pas trouvé les oliviers, c'est que vous n'êtes pas allé assez loin. Et nous, on est dans le champ en dessous des oliviers. Bonjour tout le monde. Bonjour. Enchanté. Bonjour. Donc, on va vous faire une petite visite de la fouille, à vous présenter un peu ce qu'on fait ici, ce qu'on trouve. Nous, on est au pied de cette colline.
Alors aujourd'hui, dans un paysage qui a été beaucoup transformé évidemment par l'agriculture. Il faut imaginer là qu'il y avait certainement des collines. Il faut imaginer un paysage froid, pas froid, marqué par le froid, donc plutôt des prairies, des steppes herbeuses. Et là-dedans, dans ce paysage, vivent nos chasseurs-cueilleurs. C'est des gens qu'on retrouve un peu dans toute l'Europe à cette époque-là. On les a même au-delà de l'Europe. On les a depuis l'Iran, le Proche-Orient et grosso modo toute l'Europe, depuis la plaine russe jusqu'au Portugal, depuis le sud de l'Italie jusqu'au Pays de Galles. Donc voilà, c'est une grande culture, on va dire, c'est aurignacien. En tant que nomades, eux, évidemment, ils ne construisent pas des habitations avec des murs en dur. Donc on ne va pas retrouver. Non. Donc il faut imaginer qu'ils ont des huttes. Donc certainement des huttes avec des armatures de bois sur lesquelles ils mettent ils se protègent avec des peaux d'animaux qui leur servent dessus. Ça en a pas mal de foyers qui marquent justement les emplacements, peut-être des zones d'activité, les emplacements des huttes. Et puis les matières qui veulent bien se conserver. Notamment, nous, ce qui se conserve le mieux, c'est les silex taillés. Là, on est tout le sud de la France, nous on est là, et il y a des silex qui viennent tantôt de là, tantôt de là. Donc en fait, c'est des gens qui circulent sur tout le sud de la France. Voilà. Mais là, comme vous êtes aux États-Unis, vous le savez, quand on voit les parcours saisonniers des Indiens dans les grandes plaines, ils pouvaient faire des centaines de kilomètres par an, et ça, ils pouvaient circuler sur des très très grandes étendues. Ils peuvent faire des raids parfois sur 300 kilomètres, ils s'installent, ils passent une saison, ils repartent. Nous, la chance qu'on a, et c'est pour ça que ce site est si important, c'est que là, on a au moins sur quelques centaines de mètres carrés, on a un sol très bien conservé. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, une fois qu'ils sont partis, le sol a été recouvert assez rapidement par des limons, du sable un peu, c'est un peu plus petit que le sable, les limons, apportés par le vent justement. Et donc ça a fossilisé les traces de leurs occupations. Et c'est même tout à fait rare. C'est que des sites aussi bien conservés pour cette période, en fait, on en connaît 3-4 en Europe, pas plus. On connaît beaucoup de sites en plein air. Souvent, ils ont été perturbés, ils ont été en partie détruits. Donc là, il y avait des marnes ici. En fait, ils se sont mis là. Ils étaient juste à côté de la butte et ils étaient protégés des vents dominants. Et puis, ils se sont installés aussi ici. Alors là, par contre, ils étaient davantage dans l'axe du vent. Mais justement, ce qu'ils ont fait là, c'est pas la même chose qu'ici. Autant là, on pense que c'est vraiment là où ils avaient le campement, les huttes. Autant là, on a plutôt affaire, par exemple, à des activités comme la découpe des carcasses. Notamment, c'est là où là, on a trouvé un crâne de bison, on a trouvé pas mal de pièces, je vous dis, de osseuses. Là, on est plutôt dans une zone de traitement de carcasses, de préparation de colorants, peut-être un atelier. C'est pour ça qu'on appelle ça la zone atelier, d'ailleurs. Donc ça, c'est la zone domestique et ça, c'est la zone atelier. Ça, c'est un os. D'accord. Mais très mal conservé. Voilà. Un os de quoi? D'animal? Ah oui, d'animal. Ça, c'est animal, ça. C'est pas humain. Non, c'est pas humain. Ça, là, vous savez, alors si c'était un humain, il ferait. C'est le Yeti. Il ferait 4 mètres. Voilà, c'est parce que là, c'est des os qui sont gros comme ça. Non, là, on est plutôt format grosse bête. On est sur du bison ou du cheval. Quoi. Ça, c'est un bloc de sédiments qu'on a prélevé. Et après, en laboratoire, on a fait la fouille très fine. D'accord. On avait affaire à des fragments d'omoplates de bison. Et là, on a retrouvé cette fois-ci le coude d'un bison. À l'époque, il y avait du cheval, mais pas domestique, uniquement en consommation. Le seul animal domestique qui existait peut-être dès cette époque, c'est le chien. Et même les spécialistes de cette question ne sont pas tous d'accord. Certains disent oui, il y a déjà du chien à l'époque des Aurignaciens, d'autres disent non, c'est plus tardif. Moi, je serais assez tenté de penser qu'ils avaient déjà des chiens, parce que ces gens-là, quand ils viennent ici, ils transportent pas mal de matériel quand même. Parce que rien que les peaux de bison qui leur servent à faire les huttes, ça me rend du poids. Hein. Donc, je les vois mal se déplacer sur des centaines de kilomètres, comme ça. Sans avoir une aide. Sans avoir une aide. Mais, ce que je vous dis là, c'est, j'en ai pas la preuve hein, du tout. C'est une hypothèse. Tous les ans, on rouvre le site. Petit à petit. C'est ce qu'on appelle un chantier école. C'est-à-dire que, à la fois, le but, évidemment, c'est de fouiller le site pour des raisons purement scientifiques, mais on utilise aussi ce site pour être un lieu de formation pour des étudiants. Donc, on a des gens qui viennent de différentes universités. Peut-être un jour, vous aurez le journal qui vient. Eh bien, oui. Goodbye. Merci. Thank you very much. Avec plaisir. Merci à toute l'équipe. Avec plaisir. Bon courage. Au revoir. Au revoir.